Et salut, c'est VTT Plaisir, aujourd'hui on est à Rougier. Bonjour. Avec un petit morbac qui s'appelle Alex. On a toute l'équipe, presque, sauf un qui nous a lâché au dernier moment. Tremblant, bah. Qui s'appelle Lulu. Okay. Ça y est, fiotte, bah. Il a la grosse tête, ça y est, c'est fini. Ouais, maman elle est malade, ouais. Je peux pas venir. Bon bref, Pipo. Il nous a sorti un palais d'excuses. Toujours est-il qu'on est sur le spot de Rougier, j'étais un peu réticent. Eh ben, après la première descente, je peux vous dire que vous allez vous régaler. Allez, à tout de suite sur le VTT. Allez, ça part de la descente, j'ai bien peur, bien typé, trop enduro pour moi, mais bon, on va bien voir ça. Il faut voir. Avant de juger, il faut toujours voir. Mais bon, vu le dénivelé qu'on s'est mangé pour monter, je crains le pire. Et j'en ai marre d'avoir toujours raison. Allez, un beau panorama babiche d'entrée de jeu. Je crois qu'on va faire que ça aujourd'hui, parce que vu le dénivelé, c'est encore du grand beau. À gauche. Non, à droite. Non, c'est chaud quand même. C'est chaud les poulets. Non, mais en plus, je connais pas du tout. Il me dit à gauche, c'était à droite. Ah, ça va être trop hardcore pour moi, j'ai l'impression ce matin. Mais que diable suis-je venu faire dans cette galère? J'ai pas clipsé pied gauche. Pour une petite parenthèse pour nos amis youtubeurs. Ouais. C'est la ponctuation. Oui. Dans le sud, Kono, c'est un point d'exclamation, enculé, c'est. Ah, faut revoir le. Tu fais le lexique. Sketch de. Comment il s'appelle? Bosso, non? Bosso. C'est voilà. Bosso la ponctuation. Voilà. C'est pas de la vulgarité, c'est de la ponctuation. Non, non, il faudrait que le robot YouTube le prenne en charge. Oui. Parce que enculé et cono, chez nous, c'est, c'est des signes d'amitié, putain, c'est pas des insultes. C'est la virgule. Putain, voilà, ouais, mais voilà, putain, mais c'est. Normal. Voilà, petite précision. Ouais. Merci, merci Stéphane de ce. Merci de notre capello. De ce petit passage. Je suis même plus de quoi. Allez, go, on va rider un peu. C'est ça que je kiffe dans le VTT, quoi. Putain, une ambiance de fou quoi. Ça chante, ça délire, ça ride, putain, c'est trop bon ça. Ouais, un petit souci de caméra. Voilà, pour les mecs qui vous disent que la GoPro 8 ne bug pas, c'est pas vrai, j'ai pas eu la 7, mais la 8 elle bug aussi. Hein. Hop, voilà, c'est beau. Super. C'est du caviar les gars. Hop.
est couillon ce Stéphane. Merde, j'ai desserré la chaussure gauche. J'ai dû appuyer sur la commande. Hop. Plein les mirettes là. Hein, on en prend plein les mirettes. C'est vraiment sympa. Hein. Puis il y a du déni de suite quoi. Ça va belle hein, avec la crête là. Faut pas sortir trop large sur la droite là les amis. On voit peut-être pas bien sur la caméra. Et à droite, ça pique à zéro. Hein. Oh. Oh là, là il y en a rentré dans le... dans le bureau purée, j'ai l'impression. Ah non, ça va. On a fait l'intro là-bas. Sur le château en face, là-bas. Première descente partie du sommet du fond là-bas. La deuxième descente elle partait de là. Et la troisième on a fait toutes les crêtes là. Je sais pas si vous voyez bien avec la caméra. Mais si vous avez du temps à perdre, passez sur Rouziers, c'est vraiment sympa. Hein. Merci Alex. Il est où Alex d'ailleurs? Je suis dans ton cul. T'es dans mon cul? Oh oui. Oh putain ouais. Putain les gars. Il s'est engagé, ouais, mais pas hissé parachute, hein. Bon, passage à pied pour moi, parce que là, c'est vraiment ultra hard. Ouais, voilà, quoi. Je sais que ça rend pas sur les GoPro, mais même là, je pense que vous apercevez que le chemin, il est hyper chaud, quoi. C'est ultra engagé. Par contre, c'est beau, hein. Le mec qui descend ça, ça doit être super beau à voir, super beau à filmer. Ça aurait peut-être dû passer devant pour les filmer, je pense. Des à pied. Tu descends à pied? Hein? C'est vrai. Heureusement que j'avais des coussins. Moi, quand je vois des trucs comme ça, comme je m'estime pas meilleur que les autres. Ah ouais, non, mais après. Ça va, ça a l'air. Je me faisais la réflexion tout à l'heure, là. Je me dis, putain, mais le mec qui passe tout ça sur le vélo, c'est beau, quoi. C'est vraiment beau. Hein. Ah, c'est hardcore. Hein. Enfin, du gros pneu, du gros frein et, ouais, et de ouais. La grosse volonté. Regarde. Vous passez là hein? Tu passes tout là? J'ai tout passé aussi. La certaine tout en haut elle, elle est comme ça. C'est bon? Ah ouais? Ouais, mais il y a encore, des épingles. Ouais. Elle est comme ça et moi, c'est un peu plus gros. Je t'en ai mis une? Attends, moi je suis tombé à pied alors pour te dire la honte. Ah putain, je suis pas serein. Pas serein sur cette descente, je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'elle est hyper chaude. La peur, ouais, ça doit être ça. Petit slip. Fan du Capitaine, bonjour. Tiens, au passage, tiens, à passer un beau petit bonjour à une chaîne YouTube qui s'appelle Capitaine Buguette. Le mec est hyper fort niveau montage. Je sais pas, il doit travailler dans la com ou quoi parce qu'il est toujours plein de bonnes idées. Et en plus, il ride bien. Donc, je passe un petit bonjour au capitaine. Hop là. Là, on voit tout sur la gauche. Oh, beau gosse. Hé hey.
tous les touristes là. Merci, bonjour. C'est un peu au départ de cette ligne, tiens. C'est la mer. Hop. Hop. Ouais, j'ai pas fait un bon choix. Hop. Sur la caméra, mais je peux vous dire que ça bouge un bonhomme. Hein. Ah, ça se calme. Ah, c'est sympa. C'est chaud. Finish quand même. Allez, VTT plaisir, c'est terminé. J'espère que cette belle session vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a bien plu. Malgré le semi rigide, là, c'était vraiment, ouais, c'était l'enduro. Hein, là, faut être honnête, c'était vraiment de l'enduro. Mais je me suis bien régalé. Et vraiment, merci à Alex et Franck aussi qui ils ont fait les ouvreurs pour cette sortie. Du grand VTT, du bon VTT comme je l'aime quoi, des montées costauds, des descentes de ouf. J'ai pas tout passé parce que bon bah vous avez vu les images, hein, c'est raide, c'est très raide, même avec un tout suspendu, j'aurais peut-être pas tout passé non plus. Mais là vraiment je me suis régalé, j'ai pris plein les mirettes. Je souhaite bon rétablissement à Lulu parce qu'il a fallu qu'il soit de garde ou quoi, parce que sa femme est malade et je pense que lui il va pas être tardé à choper la grève non plus. Donc c'est dommage Lulu, t'as loupé une bonne sortie, mais je pense qu'on va y retourner parce qu'il y a de quoi faire. Et toi qui veux travailler la technique, là-bas il y a vraiment du boulot et c'est vraiment formateur quoi. Moi j'ai vraiment kiffé, et pourtant c'est pas mon délire en semi-rigide. Hein. Donc les amis, j'espère, je vous l'ai déjà dit que ça vous a plu. J'ai bu 2-3 bières. Et abonnez-vous et puis voilà, faites du vélo surtout les amis. Ciao.